Relais Gamers, c'est Dutch, épisode 7 de Star Wars Jedi Fallen Order. J'espère que 7 ou 6, je sais plus où j'en suis, c'est pas grave. En tous les cas, il y a un épisode aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que l'épisode précédent vous a plu, que cet épisode-là vous plaire aussi. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à articuler, mais c'est pas grave, c'est un détail. Alors, on a été sur une petite planète, je sais plus comment elle s'appelle. Maintenant, tout des blasts de ouf, hein. Et il y avait une tempête, et c'est tout ce que je sais, donc on va parler à ce genou. On a réussi, on l'a fait, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si t'es... Qu'est-ce que tu regardes? T'es ironique ou pas? Tu parles. Là, au vaisseau, le Mantis. Joli nom, hein, ça impose. Je te dis ça, mais t'as sans doute jamais piloté de vaisseau. Je t'apprendrai peut-être un jour, quand t'auras fini tes trucs de Jedi. Je pourrais même te faire un prix si tu veux. Ok, ouais, je fais pas confiance à ce gobelin qui parle à son vaisseau, frère. Bon, je parle tout seul aussi, techniquement, mais... Oh, alors que... Et voilà, moi j'ai une bonne raison. Pour faire plein de sous. Et donc, toi? Vous avez connu beaucoup d'épreuves. C'est pas facile. Non, en effet. Mais je pense à ceux qui m'ont accordé leur confiance. Si je baisse les bras, cela revient à les trahir. Je suis sûr que tu me comprends. Prof, un ami sur Braca. Il s'est sacrifié pour que je survive. R.E.P. prof. Je croyais en toi. Beaucoup de gens comptent sur toi, qu'ils en soient conscients ou non. Cal, tu dois tenir bon. Pour prof. Pour tous les autres. Aux œufs des autres que pour prof. Oh, la plante pousse. Incroyable, ça. A l'air de lui plaire. Est-ce qu'après, ça me fera des légumes? On fera une petite salade, là. Peut-être... c'est l'heure de se personnaliser. Allez, l'heure de se pimper. Le poncho. Y'a rien. Oh, BD1. B2 OBA, comme on l'appelle. Ah non, en jaune, il a tellement plus de charisme. Et toi? Oh ouais. Ah non, non, mais sur de course, hein. Sans hésitation. Le poncho. Bon, le poncho, c'est... c'est un peu ghetto pour l'instant, ce qui se passe. J'ai pas grand-chose. On va pimper le sabre laser aussi. Le double sabre laser, j'ai envie de dire même. Couleur. On va mettre du orange, hein. Émetteur. On va revenir sur le sabre classique. On retourne à la base, comme dit Orelsan. Hop là, matériaux. Hop là. On retourne au vanilla, mais avec un sabre, enfin avec une couleur, un cristal d'une couleur un peu particulière. D'une couleur premium, d'une couleur plus chère, comme j'ai envie de dire. On va repartir. Explorer. Attends. Avec Datomir, il y a Bogalo, la première planète. Je sais plus comment elle s'appelle celle-là. La planète où il y a une tempête. Hop là. La planète où il y a les effets, c'est tout ce que je sais. Et donc... Oula, calme-toi. Ok, rien pour l'instant. Est-ce que j'ai la map? Ok, déjà ça me dit que c'est inaccessible directement, c'est tant mieux. Alors que là-haut... Eh oui, je t'ai vu mon ami. Oui. Je suis malin moi. Je suis plus malin que toi, t'es discret en tout cas, c'est sûr. Oh, ok. Allez, en avant BD1. Oh. Il y avait quelque chose là-dedans. J'apparence pour BD1. Un Blue Leader. Ah bah, alors que... Et si on lui mettrait pas directement le... Ouais, je préfère le jaune en vrai. Ah bah, il y a le bleu. Tant pis, on va le garder. On va passer par là. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin de toute façon. Dehors des méchants, c'est sûr. Je vous le dis. Je vous le crie. Il y a R ici. Oh, il y a un truc ici en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est déjà plus accueillant que sur Datomir, hein. Le dernier épisode, on s'était fait enculer par les sœurs de la nuit, je sais plus quoi là, les sœurs de la night. Qu'est-ce que c'est, BD1? Oh! Ah! Un nouveau truc pour le poncho, ça c'est cool. On va changer tout de suite. Hein. Donc. Qu'est-ce que je disais? Oui, on s'était fait soulever par les sœurs de la nuit et c'est rough là. Trop fort. La magie des Jedi, encore une fois, la magie des Sith, je suppose. T'as la porte est verrouillée. Toutes les portes sont verrouillées, what the fuck? Et on était. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux scanner une caisse, mon pote. Vraiment. C'est ça ta vie. Oh là. Bien joué. Ah, il doit avoir une dinguerie, il a une petite dingouze. C'est lui, décor. Donc, ouais, les Datomir, dernier épisode, c'était un peu dur parce qu'il y avait un vagabond que je fais zéro confiance. Oh, il fait noir. Je le fais vraiment zéro confiance. Et après, juste après le vagabond, il y avait un mur qu'on pouvait pas accéder. Donc, je suppose qu'il fallait aller sur cette planète pour débloquer un gros saut ou un double saut. Je sais pas du tout s'il y en a. Ou bien ça se trouve un truc différent, mais dans tous les cas, je pouvais plus avancer. Ouais, une sorte de hiage de l'espace là, c'est quoi ça? Ça va être dur, hein.
C'est une plante. Je deviens paranoïaque. Ils sont en train de manger quoi? Oh, un stormtrooper. Un trooper de la tempête. On va les enculer, hein. Fais attention, ils ont l'air dangereux. Wouah. Wouhou. Ah, aïe. Arrête ça. C'est une sorte de rat chien. Encore un scan? T'as toujours des scans, mon pote. Scaz. Et on va scanner le stormtrooper aussi. Tu peux passer par là? Ouais. Cal, tu m'entends? Oui. Les impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Ok, nice. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je pense... Là où on va continuer, là où c'était l'histoire principale, mais là, j'ai vu qu'il y avait un petit linge qui se cachait ici. Donc on va l'enculer. Hein. Oh salopard, c'est toi qui m'as enculé. En fait, c'est des rats, c'est plus des rats que des yinches. Hein. Ils sortent de la terre. Ils sont trop forts, les rats. Trop rats de merde là. C'est bon? Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein. Je savais pertinemment qu'on pouvait rien faire. On va aller là. Hop là. Oh la porte qui se trouve au Mantis. On court sur le mur. Tout ça pour faire quoi finalement? Ça m'avance dans quoi dans cette histoire, dans cette affaire là? Alors, pour ouvrir une porte au moins déjà. Non. Ah si. Raccourci. Ouais, ok, j'entends que ça tire, donc on va continuer là-haut. Attends, moi, ça se trouve, c'était verrouillé là-haut, en fait. Ça, c'était verrouillé. Oh, c'est des stormtroopers aux F pour l'instant. J'ai retourné là-haut, parce qu'il y avait un petit passage. Désolé, hein, je fais beaucoup d'allers-retours, je fais beaucoup de petits secondaires un peu répétitifs, mais... c'est pour le lore, hein. Je découvre, ça se trouve, je passe à côté de dinguerie. Hop là. Hop là, ça se trouve, les gars, là, il y a Dark Vador ou Obi-Wan Kenobi qui se cache là. Obi-Wan Kenobi, le fameux. C'est plus beau quand on éclaire avec le sabre. Surtout on voit plus. Ouais mais gros les gars, où est-ce que je vais moi maintenant? Où est-ce que je fous de ma vie? Ah, encore faut débrouiller un grand saut. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un double saut ou un gros saut qu'il faut débloquer un jour. Ah. Un écho de la force, juste ici même. Dans un poncho ou un drap. Un drap seul. Oh no. Une mère s'est servie de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Une cachette. Il y avait un bébé qui se cachait ici avec sa daronne. Intéressant. Moi je viens pas pour le lore, moi je viens pour les items là. C'est quoi ça? BDR peut-être? B2O? Attends, tu peux en prendre plus? Merci BDR. Bah voilà putain. Regardez les gars, si j'étais pas passé par là, je serais passé à côté de tout ça. Mon poids maximal de capsule de steam augmenté. Bah voilà putain, ça valait le coup en vrai. Hop là. J'ai tellement dû en louper. En fait, je pense dès que j'ai accès au double saut ou triple saut ou mes couilles, je sais pas ce que c'est, le gros saut, je retournerai sur la Oogla-Boulga, la première planète là. Et on fera tout ce qui est secondaire. Et après, bah, on continuera l'histoire. Je pense que je ferai un gros épisode sa mère où on récupérera que du secondaire, où je raconterai un peu ma vie. Ça va être l'épisode un peu relou, ça. Mais on sera obligé d'y passer. On fera 100% de Oogla-Boulga. Salut, mec. En vrai, je l'ai bully, hein. Facile, un peu. Hein. Et là encore? Non, on peut le scanner, en tout cas. Je scanne quoi? Il y a un panneau, super. Ici, il y a quoi? Il y a R. Tu parles sur moi, il y a R. Ok. Ah ah! Des skins encore, plein de skins. Hey. Hop là. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait un nouvel émetteur, nice. Devoir et volonté. J'ai lu devoir, hein. Je sais pas lire. Hein. C'est un truc de ouf. Bah et alors? Ok, je croyais qu'on pouvait escalader, mais en fait non, c'était un prank. Alors que là, non plus. Fin du rêve. Et c'est une village abandonné. Ouah, c'est triste, hein.
Cet endroit est bien triste, mes amis. Qu'est-ce que quoi ? C'est passé quoi ? Hop là ! C'était évident. Bon, ça va, c'est contre un rat, je laisse tranquille. Oh vache, ils sont combien ? Je peux pas avoir un ghetto blaster moi aussi ? Oui. Hop là. Attention, faut juste que je me concentre. En vrai ça va, ils sont assez éclatés les gardes là. Les stormtroopers là où je sais pas ce que c'est. C'est le one shot hein. Hop là, découpage en deux, découpage en règle. On va se soigner. Merci du coup de main. La planète a l'air vachement plus simple que d'Atomir déjà, hein, je vous le dis. Petit ressenti personnel. Ah, il y a un petit bout de force ici. Hop là. Pars avec elle. Je vais les éloigner. Ostar, non. Ok, Ostar. Ostar, bah rip Ostar. Hein. Un sac abandonné, une famille sur le... On n'aura jamais la suite parce que j'ai la flemme d'ouvrir le menu. Peut-être un jour on lira tous les menus. Un avis de recherche, ça. Je reconnais bien. Ce ne sont que des mensonges. Avis d'expulsion. L'Empire voulait seulement ses terres. L'Empire, c'est les méchants. Oh salut. Un intrus. Quelle merde. J'ai monté de niveau d'ailleurs, by the way, je crois. R ici. Oh ça va, en fait c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je me suis endurci sur Bougalou là, avec les Ogda Bougda. Waouh, yippie. Incroyable ce réflexe que je viens d'avoir. Si, perdez-moi de vue. On gère. Oh. Incroyable. Hop là, on médite. J'ai des points de compétence, je crois, en plus. J'en ai deux, ça, en effet, c'est ça. Ouais, ça, c'est avec le sprint, en vrai, ça peut être pas dégueu. Mais je vais pas jouer le sprint, de toute façon. Déjà, ça, on prend, c'est sûr et certain. Ah ouais, donc je peux utiliser... Ok. Je vais pas beaucoup le jouer, ça, je pense. Et on va prendre le sprint, quand même. Attaque sprint, ça donne quoi ? Oh ! Pour attaquer vite, quoi. On va pas se reposer parce que ça va faire spawn tout le monde et au pire j'ai deux autres steam, ça devrait faire l'affaire. Et là je pense que c'est un raccourci encore une fois. Hein. Et oui, c'est un raccourci. Nice. En garde des affectés sur... Ok, la planète c'est Zepho. J'avais dû oublier. Mais du coup le peuple des Zepho c'est donc eux. Putain, j'oublie tout, c'est un truc de ouf. Mais le lore est dense. Hein. Hey. Hey, c'est une embuscade. Bougez-vous. Ah, faut prendre la visée, mon pote. Hein. Tenue obtenue. C'est quoi ça? Putain, ouais, non. Tenue du gréeur, c'est vachement mieux. Ouais, bah non. On peut pas. Oula. Petit bug. Abattez-le. J'y vais. Mais du coup, quand j'attaque en sprintant. Hop là. Ça a pas marché mon attaque sprint. Hein. Attends, je réessaye. Ok, là ça marche par contre. On va le scanner. C'est un mec un peu plus chaud, je crois. Bah, il y a R. Commandant Scout Trooper, pardon. Ah oui, il y a quelque chose là. Encore un avis expulsion, what the fuck. Ah, on ressent l'écho. Hop là, la force. Où est-ce que vous nous emmenez ? Ostar. Les impériaux ont capturé les villageois. Des réfugiés effrayés, envoyés dans des camps de travail. Ou pire encore. Aïe. Oh ! Je ralentis le pont, je sais pas ce que c'est, le mur ou un pont. Alors je peux rien faire là. Ah mais, peut-être une patate ? Ok, je vois où on peut aller. Faut juste retourner là où j'étais tout à l'heure. Ouais, c'est là en fait. Wouah, le plan a failli échouer. Hein. Ok, c'est juste là. Ouais, bah j'étais passé par là déjà. Hop là. On y va délicatement mais sûrement. Et ici... Oula, c'était un... Attends. Je croyais qu'on pouvait double sauter, j'étais en mode dans... Je vis dans un mensonge depuis le début. Hop là. Attends, heureusement il est chaud en parcours. Heureusement c'est un ferrailleur. On dirait que le vent s'est levé, Ola.
Salut. J'ai trouvé. Oui. Moi aussi, je t'ai trouvé. Aïe, putain, il m'a en tiré deux. Quel bâtard. Hop là, encore peut-être un skin. Un skin intéressant, peut-être pour une fois. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé quoi? Poignée de sabre, devoir et volonté. Ah, peut-être qu'on aura le kit devoir et volonté en entier, du coup. Donc là, y a rien. Oh, toi, tu vas prendre tarif. Hein. Ils sont free, ceux-là, vraiment, c'est caviar. Quoi? Tu me tiens pas, mon pote. Tu tiens rien. C'est beaucoup plus facile, les ennemis, là. C'est un truc de ouf. Ça change des Ougda Bougda, là, je sais pas quoi. Interconnecteur. Que ça me parle d'interconnecteur, mais je sais pas ce que c'est, en fait. Ça, je pense qu'il faut encore un peu de force, aussi. Hein. Faut apprendre les tricks. C'est donc pour ça qu'il a perdu le lien avec la force, et donc il connaît pas les strates de la force. Quelle merde, Cal. Hop là. Encore de quoi méditer? On va méditer. Ça me sert à rien de méditer, de toute façon. On va pas méditer. Peut-être ça fait un point de sauvegarde, donc on va rester là. Hop là. Et on va quitter. Ah, si, peut-être. Je vais me reposer. Je vais faire un repos. Ce sera bien mérité après tout ce que j'ai vécu. Et on tâte le repos. Et tous les ennemis vont rip-hop, mais pas grave. Je touchais mes jassos debout. Et on avance. En faisant de la lumière, évidemment. Pour plus de... d'ambiance. Complexe de turbine. Ah yes, t'en vois rien. Quel enfer. Y a rien par ici, y a rien par là. On va continuer ici. Et on va continuer par là. Je peux utiliser mon sabre en lampadaire comme ça? Oula. Y'a que les G bugs en vrai sur le jeu, je trouve. Hein. Mais je pense que justement qu'il est pas assez chanceux. Après, c'est des petits bugs mineurs en vrai, c'est des petits personnages qui twerk, des trucs comme ça quoi. Enfin, qui twerk, je me comprends, genre des petits bugs de clipping, des bugs. Y'a beaucoup de petits skins comme ça, et eux en vrai ils sont pas trop cachés. Je sais pas si c'est considéré comme des coffres ça. Sabre laser, cuivre. Ouais, le cuivre, est-ce que ça m'intéresse? Moi je suis un mec qui aime l'or et l'argent. Je suis quelqu'un de vénal. Hop là. Là, il y a air. Il y a rien dans ce complexe de ruines de merde. Ah, peut-être. Interagir. Oh, la lumière. Oh, merci. Attends, parce que ça tremble. C'est pas normal. Ah, oh, c'est les turbines, mais oui. Juif bête. Et là, peut-être. Il y a rien. On sort juste de... Oh, le drapeau est bizarre. Salut, mon pote. Oh, la vache. C'est nouveau, ça. Attends. Ok, bah. Moi je t'ai tapé sans faire exprès. Attends, en train de me bully par contre là. Je sais pas comment qu'on range. Ah, il s'est envolé mon frère. On peut pas passer en un sabre laser en fait. J'ai pas l'impression. Est-ce que t'es toujours là? Ah, on peut discuter avec BD1 en fait avec la flèche du bas. Ok. Maintenant. Speed. Wouah. C'était limite. La fin du rêve peut-être. Hop là. Et en fait non. C'est un choual. On va zoomer sur toi quand même. Ok, j'ai plus de force. Il va me toucher. Il va pas toucher. Nickel. T'as, je les enculé avec le double sabre, hein. C'est un truc de ouf. Filac. Ça me dirait un surnom d'un mec qui s'appelle Philippe. Ou Fiac. Ça dépend. Pareil, j'ai faim, mec. Et hop là. Waouh. Adieu. Non, m'attaquez pas. Mais il a un lance-roquette. C'est de la triche. On a plus d'appui à distance. Heureusement. Hop là, parade parfaite, et on te slice. Et toi maintenant tu vas faire quoi? Pareil. Ouais, c'est ça. Dans ta race. Et on va analyser le mec avec son lance-roquette parce que lui il m'a mis mal en rien. Ouais, il est plus là. Y a pas d'autre passage, y'avait rien d'autre. Si là y'avait peut-être une porte qui s'ouvrait. Aucune idée de ce qui se passe. Pas du tout. C'est pas par là. Hop là. Et hop là. Et on va... Maintenant. J'ai vraiment zéro timing sur ça, c'est terrible. Alors que l'enchaînement, impossible. Hop là, ça c'est... Ouh!
C'est un peu dommage ce que je viens de faire là. Et maintenant. Oh, le saut était limite. Qu'est-ce que je fais? Mais je suis bourré ou... Je sais pas jouer aux jeux vidéo. Ah, c'est bon là, c'est large. Hop là. Et hop là. Et il y avait un truc de méditation, mais pas grave. On va l'ignorer. Et hop là. Waouh. Ça doit être un des défauts. Impressionnant ça. Un peu de OBA. À l'entrée. On peut pas l'arrêter. Je tire dessus. Facile. Vraiment basique, comme dit Orselan. Et donc ça, c'est un raccourci, je suppose. Un raccourci. Nickel. Et ça donne sur quoi? Oui, j'ai que ça. Une caisse. Ah, c'est le complexe de turbine, ça. Au cours des rotations depuis que j'ai quitté Bogano, j'en ai appris plus sur les effets que je ne l'aurais cru possible. Intéressant, mec. Et donc là. Oula, hein. C'était limite. Ok, c'est là où j'étais. Putain, j'ai jamais vu cet endroit, what the fuck. Ah ouais, je suis perché, hein. Je vois R de ce qui se passe. Il y a un peu de lumière en bas, mais j'ai pas envie de sauter. Hein. Je vais prendre de risques pour ma vie. De risques inutiles. Hop là. C'est un... Mais gros, c'est une planète de glace? C'est une planète de quoi? De la neige ou pas? Tony Hawk! Personne me teste. Ouais, fais gaffe. Vous me connaissez pas, vous. Vous me suivez, vraiment? Bah venez les gars, je vous attends. Il doit forcément avoir un truc tout au bout, là. Ouah, si, crois en tes rêves, mon ami. Ouah, si, toi, tu peux y arriver. Putain, je m'y attendais vraiment pas. Bah... Vite, aide-moi. C'est du... Tu me bullies, mec. Ouais, tu vas mourir. Toi qui vas mourir, mon pote. Fais pas ça, moi. Ok. Vraiment tout ça pour ça? Bon bah sauter hein. Tony Hawk, le retour. T'as le mec avec son lance-roquette, je sais pas si on peut les contrer des lance-roquettes ou bien les balancer ou bien les ralentir. Mais c'est une dinguerie hein, vraiment ça fait trop mal. Ridicule. Oh mais hey, ah gros là, bonte là. Non mais frère, je suis bourré là, qu'est-ce qui m'arrive là? Hop là, on se balance bien. Et hop là. Ah, c'est pas difficile. Et toi, on va te enculer. Je fais n'importe quoi. Hein. Total roue libre. Monument érodé. Arrêtez. Allez, Jedi, affronte-moi. Ok, affronte mon regard, affronte les arbres. Comme dirait mon ami Cassidus. Miraculeux que je sois pas mort ici. Hein. Mais encore, c'est quoi ça? Interconnecteur, putain, l'interconnecteur de mes couilles, gros. C'est quand qu'on trouve un interconnecteur? C'est quoi un interconnecteur? Forcément une dingouze, là. Ah, la force. Ou un rat. Myriana, veille sur notre Sienna. Villageois mort. Bah, ils sont tous crevés, gros, en même temps. Ok, y'a rien ici, y'a du parcours. Et... Putain, je peux rien faire face à ça. C'est quoi, tu scannes quoi, là, frère? Non, rien à faire. Bah oui, clairement. Parcours. Oh, un point de méditation. Bah, je pense qu'on va s'arrêter sur ce point-là. On va fouiller un petit peu. Oh la Gatling, what the fuck? Je te vois. C'est pas une Gatling, ça? Je prêterai ta garde. Mec, ma garde est solide en vrai. Hein. Je suis intestable. Et hop là, c'est sur ce point qu'on va s'arrêter. J'espère que ça vous a plu. Pour une fois, encore une fois, que je fais des outros, parce qu'à chaque fois, ça s'arrête en pleine cinématique. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous tous à les gamers. Papa Pao, à la prochaine.